Malacca. Bienvenue dans Malacca. Bienvenue dans Odyssée Malacca. C'est beau quand même. J'aime bien. Le prochain monde ouvert auquel je vais jouer, je pense que ce sera... Bah rien du tout en fait. Il n'y a rien qui arrive. Il y a Breath of the Wild 2 qui a été annoncé, c'est Tears of the Kingdom, les larmes du royaume. Mais ça sera sur Switch, donc bon, voilà. On va peut-être prendre un émulateur pour The Switch. Bref. Alors, j'avais envie de faire un truc. Alors, on va continuer à foutre le bordel hein, autour d'Athènes, parce qu'on le fait très bien déjà. Là, on a notre Phidias qu'on doit faire partir de la ville. Après, on a encore d'autres trucs. On a plein de petites choses à faire hein, autour d'Athènes. On a aussi les îles de Salamine. Ok. Tiens, ah, on a Sotera qui est pas loin. On pourrait faire un petit bond à Sotera aussi. C'est quoi ça? Ah oui, lui, c'est le mec qui demandait. Ouais. Voilà, y a énormément de choses, ok? Il y a énormément de choses. Par contre, ce que j'ai envie de faire un peu, c'est de reset tous nos pouvoirs. Et de prendre autre chose, de prendre des nouvelles choses. Et voir comment ça se passe. Alors on va garder des choses... C'est con qu'on puisse pas réinitialiser certaines habilités. On va prendre certaines qui sont, on va dire, utiles. Hein, où on a besoin pour fonctionner. Hein, parce qu'on veut pas quand même mourir non plus. Mais après, j'ai envie de tester des nouvelles. Ouais, ça marche. On prend un screenshot juste au cas où pour se rappeler de ce qu'on a pris. Parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. La batterie est trop faible pour faire un flash. Oui, merci. Et oui, parce que je crois pas qu'on puisse faire un screenshot dans Ubisoft Connect. Parce que, hein, c'est trop compliqué de faire des screenshots. Pourquoi j'ai mis mon doigt devant l'objectif, putain? Aïe, aïe, aïe. Alors on va plus se tourner dans le côté mêlée, je crois. Je crois qu'on va plus se côté dans le, dans, tourner dans le côté mêlée. Allez, c'est parti. Alors. Déjà, bon, le soin, ça c'est indispensable, on est d'accord. Ça, le combat, la défense, indispensable pour fonctionner. Ok, indispensable. Alors après, on a l'assassinat, on est un assassin, faut pas faire n'importe quoi non plus, indispensable. Surtout que 50% de crit de dégâts si jamais on crit. Et en plus on récupère l'adrénaline et tout ça. Alors après, le chasseur, parce qu'on augmente le chasseur aussi. Voilà. Donc du coup là on a le boost du guerrier, le boost du chasseur, le boost de l'assassin. Bah, c'est pas exactement un boost d'assassin. Il y a quoi qui augmente l'assassinat? Je crois qu'il y a rien. Hein. Genre les dégâts d'assassin. Je crois pas qu'il y ait quelque chose. Ça, parce qu'on est dans la nuit, là, au niveau 3. Enfin, bref. Après, les différentes flèches. Même si j'ai envie de dire, les flèches explosives, pour l'instant, on n'en a pas vraiment besoin, honnêtement. C'est bien, mais bon, voilà. Alors après, pour ce qui est des habilités, donc on a vu que l'aptitude d'Arès, le cri de guerre d'Arès est vraiment bien. Ça aussi c'est bien. Voilà. Arès là. Arès 2. C'est très bien. Voilà. Non, après, est-ce qu'on prend la flèche? Je dirais que c'est une AOE vraiment pratique à utiliser. Donc, je dirais oui. Alors, maintenant, on a 16 habilités. Bon, il reste plus grand-chose et on a déjà repris que des trucs qu'on avait déjà. Alors, est-ce qu'on peut jouer sans ça? Honnêtement, je pense. Alors, ça, on va l'enlever. Alors ça, on est un peu obligé de le prendre aussi. Pourquoi? Parce que
Genre quand on ressort du combat et qu'on re-rentre dans le combat et tout, honnêtement c'est bien de faire un assassinat critique. Ça enlève énormément de dégâts. Ça enlève énormément de vie, pardon. Alors, je voudrais donc tester ça. Ouais, je pense qu'on va tester ça. Attends. Attends, attends. Parce qu'on a la version... On a la version guerrière. Et tour d'évasion qui a 3 mètres et inflige 150 dégâts de guerrier. À la limite, on peut prendre la version guerrière si on veut faire du guerrier, plus du guerrier qu'autre chose. Et 5 mètres, inflige 5%, 80%. Et c'est quoi après? 7 mètres et 250%. À la limite, on peut faire ça. Alors, l'attaque Charles sert, hein. Alors, le bouclier, le perçage de bouclier, c'est quand même vachement pratique. J'ai envie de dire. Après, est-ce qu'on prend du feu et tout ça? Est-ce qu'on se respect dans le feu? J'avoue que le feu, c'est pas mal. Hein. Ça devient intéressant. Parce que surtout maintenant, on met des habilités feu, en fait. Donc bon. Putain, mais du coup, on n'a pas grand-chose de nouveau, en fait. Hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Ah oui, ça, pardon. Ça oui, ça on est obligé, parce que sinon ça va être la merde pour découvrir les choses. J'avoue que la prise de bouclier, honnêtement, est vraiment bien. Après, est-ce qu'on peut jouer sans? Je pense. On a le bouclier, on a la charge, permet de foncer à travers les ennemis. Je pense que la charge peut remplacer bouclier, peut-être. Alors, par contre, on va prendre des trucs chasseurs là que je voulais tester. Alors, ça, peut-être pas. 3 flèches en chacune, 100% de dégâts. Ça, peut-être. Ça, on va tester. 5 mètres et 350% d'employer des flèches spéciales. Et après, c'est 450%. Ok, ça c'est bien. Après, viser 4 ennemis simultanément. Inflige 3 flèches, infligeant chacune 100% de dégâts. Ouais. Vas-y, on teste. 5 flèches, infligeant 100% de dégâts. Ouais, ça devient peut-être intéressant. Et après, tire simultanément 7 flèches. Ok. Plusieurs tirs percent les boucliers ennemis. Bah, ça sera niveau 3, ça sera plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 6 points d'aptitude. Qu'est-ce qui nous manque de vital? Rien, hein, on est d'accord. Il manque rien de vital. Alors. Maintenant, c'est notre dernière habilité. Parce que le corps à corps, j'ai pas honnêtement de. Merde. De changer de set comme ça, c'est vraiment relou. Hein. Je vais pas dire. Je vais être honnête. Je vais être honnête. Le feu, ça fait quand même très mal. Hein. J'ai envie de reprendre le feu, moi. J'ai envie de reprendre le feu. Et après, on a ça, c'est marrant. Ah non, mais ça marche que hors combat. Ça marche que hors combat, donc laisse tomber. Le poison, on pourrait le mettre. Ça, c'est une aptitude d'assassin. Oh, moi, je dirais la charge. S'achève par une attaque d'aplatissement puissant. Sympa. Ouais, on va mettre l'achat. Qu'est-ce qu'il nous manque? 4. Donc ça serait 2 habilités. Est-ce qu'on a des passifs intéressants? Non. Non, je pense qu'on va mettre du feu. Je pense qu'on va mettre le feu. Un seconde.
Là, on est obligé de passer par le rang 1. Après, on a ça. Évaluation 40%, durée des effets de brûlure accrue de 4 secondes. Ah, là, ça devient dégâts de feu accrus de 40%. Ok. Bon, bah voilà. Donc... Alors là, ce que je vais mettre, c'est les buffs. Genre, hop. Hop. Voilà. Ça sera pour le combat. Même si on a encore le buff d'Arès ici. Bon, le buff d'Arès, c'est le plus important. Ça, c'est là où... On va inverser ça, par contre. Voilà. Pour moi, dans ma tête, c'est plus logique, en fait. Voilà. Ok, bien. Ok, il faut maintenir. Et après, on peut tirer très loin, ça marche. Ok, ça marche. Ouais, on est bon. On va faire une sauvegarde. Peut-être qu'on va se planter complètement. Ça, voilà, ça a duré 10 minutes. On a perdu 10 minutes de la vidéo déjà. Juste pour refaire nos spécialisations. On va faire la quête maintenant. Surtout une quête, ça va être encore une catastrophe. Ça va être beaucoup plus dur. Je connais pas mes nouvelles attaques. Donc ça va être la merde. On va voir. On va crever, c'est bien. Je me dis, vu qu'on combat un peu plus et puis on va avoir une bonne arme qui arrive là au niveau 36, je me dis autant What? Pourquoi le bon... Ah, Pandaros. Oh, il faut le récupérer, lui, en plus. Pourquoi pas tester tout ça sur lui? Non. Non. Ah, merde. Il y a une putain de panthère. C'est la panthère qui me fait chier, en fait. Ah, oh, mais ça fait pas de dégâts, c'est ouf. Oh là là. Oh, ça fait pas de dégâts, c'est ouf. What the fuck? Oh, j'ai crevé, moi, en plus. Je vais crever à lui bloquer, quoi. La putain de panthère de ouf, quoi. Oh là là, les habilités de merde. C'est de la merde. C'est honnêtement de la merde. Non mais t'es sans déconner, quoi. C'est de la merde.
On va recombattre le mec, hein, mais on va retester. Ça fait pas de dégâts, c'est ouf. Ça non plus. On tire 7 flèches quand même. Mais c'est trop un éventail en fait. C'est grave trop un éventail. Ah là là. Bon, voilà la mission. Non, ça. Il est où le mec? Il est là ou pas? Pas le même. Oh la vache, oh la vache. Mais ça aussi, ça fait pas de dégâts, gros. Il est horrible, il a une putain de lance de feu. Ouais, Malaka, ouais. J'arrive pas à faire d'adrénaline, quoi. Oh mon dieu. Ah, on pourrait faire un build. Putain, vas-y. Je vais crever. Un truc qu'on pourrait faire, c'est un build bourrin. C'est-à-dire que quand on se met en Ares. Vu qu'on peut pas mourir. Vu qu'on peut pas mourir en Ares, on peut mettre des trucs genre augmente les dégâts quand la santé est faible. Et juste faire du bourrin en fait. Juste taper, taper, taper. Ça c'est pas mal comme build, ce que je viens d'y penser là en fait. Ouais, c'est Pandaros qu'il faut récupérer. Je viens d'y penser à ça. Si on a des gravures qui font ça, genre quand on est à 25% de vie, un truc comme ça, genre augmente les dégâts, ça. Là, c'est pas mal ça. On pourrait utiliser ça. Pendant cette durée, toutes les attaques ennemies sont non létales, vous voyez. Donc là, on reste très bas en vie en fait. Ouais, ça serait pas mal. Non, mais sinon, c'est de la grosse merde en fait, les habilités. Là. Bien sûr, c'est pas assez près. Ah merde, merde, merde. Bah ça c'est pas mal parce que ça fait une AOE de feu en fait. Oh là là. Par contre le feu augmenté là. C'est pas mal ça. C'est marrant parce que je tape devant sa lance et ça fait du feu. C'est pas vrai.
Oh la putain. C'est quand même méga dangereux de faire ça. J'aime bien cette attaque, honnêtement elle est stylée mais... Ah oui, ça il faut le... Tu es prêt à naviguer, je te peux. Il est où l'autre? Il est là. Ah là là, ça me désole de voir que c'est de la merde comme ça là. Alors maintenant on a nos super dagues en or. Enfin nos super dagues, notre super dague en fait, parce que c'est juste une dague, après on utilise la lance de notre poteau. Par contre j'ai vu qu'on avait une lance 36. Pas mal, pas si mal. Non, mais honnêtement, il y a quasiment tout acheté dans toutes les habilités qu'on vient de prendre. Je veux pas dire, mais la façon dont on utilise en fait l'adrénaline. Et qu'on la génère, il n'y a rien en fait qui nous aide vraiment. Dans le sens où on génère pas assez d'adrénaline pour pouvoir spammer les nouvelles habilités. Et les nouvelles habilités font pas assez de dégâts par rapport à l'adrénaline qu'on utilise. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, ça c'est très médiocre. Ça c'est 5 flèches qu'on tire, pas 7 pardon. 5 flèches, c'est très médiocre. Ça c'est, alors ça c'est complètement du gâchis, ça fait vraiment 0 dégâts quoi. Pourtant, on a augmenté le chasseur et tout. Hein. Enfin, on n'a pas changé notre équipement. Notre équipement, il est plus chasseur dans un sens. Mais bon, enfin, maintenant, il a un peu de tout, honnêtement. Il y a tout qui fonctionne. Ça, c'est bien, par contre. Accumulation 40% et durée des effets de brûlure accrue de 4%. Et après, la troisième amélioration, ça va être augmente les dégâts. Donc, spécialité... spé feu, c'est pas mal. Spé feu, c'est pas mal. Ça c'est sympathique, mais bon, oui, ça fait pas beaucoup de dégâts, donc à la limite, qu'est-ce qu'on s'en fout. Enfin, que pour une AOE. Vous voyez, si je fais ça. Genre, ça me prend un d'adrénaline, ok, c'est sympa. Je peux très bien en avoir récupéré 3 en fait, en spammant des flèches et tout ça, très vite. Et faire ça en fait, avec la hache par exemple. Et là, j'enchaîne les mecs les uns après les autres. Donc, c'est mieux. Il me faudrait un autre mercenaire là qui se balade. Honnêtement, pour tester. Il me faut plus de combat. La charge aussi, elle est pas... À moins que ça devienne vraiment grave intéressant quand on est niveau... Appuyez sur F1, F5. Quoi? Non mais merci. Voir un peu. Ah c'est bien ça. Désolé, apparemment ça a pas enregistré le fait que j'ai changé la sauvegarde rapide en fait.
c'est pas mal d'avoir les informations quand même. Ah quand même, mais mes FPS ils descendent en dessous des 60 quand je suis comme ça. Intéressant. Intéressant. Enfin moi je le ressens aussi, hein, je le vois quand je fais ça. C'est beaucoup moins fluide que quand je regarde là par exemple. Mais bon, c'est proche des 60, ça passe en vidéo, de toute façon c'est tout ce que vous avez besoin. C'est juste pour moi, qui semble légèrement embêtant, mais je le vois des fois, c'est moins fluide quand je tourne la caméra. Bref, on va faire plus de combats mais avec nos habilités, mais je crois que je vais tout jeter. Hein. Je vais tout jeter. Si on recherche l'efficacité, on recherche pas de faire du fun. Si je médite, peut-être que Phidias sera là quand je reviens. Ouais, ouais. On recherche pas de... Enfin, je... Ouais, bref, vous avez compris. Ah non, je suis déçu. Déception. Oh, bien, sur 20. Tu es là. Je commençais à m'inquiéter. Je t'ai dit que je te ferais quitter Athènes. C'est vrai, oui. Allons-y. Traîner ici ne nous apporterait que des ennuis. Partons pour Seriphos tant que nous le pouvons. Seriphos, c'est où ça? C'est qui? J'aurais peut-être dû lui demander où on allait. Ah, regardez, c'est les Athéniens en plus sur notre bateau. Ah, c'est marrant ça, tiens. Ah, mais on va loin, gros. Waouh, c'est chaud. On va là. Ah oui, Seriphos, c'est ça. Okay. Ah, c'est la petite île que je voulais aller. Je voulais y aller là-bas. Peut-être qu'on pourrait faire une escale. Une escale à Seriphos et la faire, l'île, parce qu'elle a l'air petite. Bon, s'il y a une mission, bien sûr. Ah, c'est marrant d'avoir des Athéniens sur notre... On va dire que c'est des Athéniens affranchis. Enfin non, non, c'est pas des esclaves, les Athéniens. J'en sais rien. C'est des Athéniens qui sont retournés contre... Ça a l'air d'être précieux. Je n'aurais jamais cru devoir quitter Athènes. On s'habitue à partir. C'est vrai. Hérodote, quelle est l'île qui est devant nous? Ça, ma chère, c'est la célèbre île de Salamis. L'endroit où Athènes a triomphé de Perse. On se fait attaquer par Athènes. On en paix, maintenant que j'ai quitté Athènes. On se fait attaquer par Athènes, du coup. On n'a pas vraiment la place pour faire des manœuvres. Je vais pas combattre, là. Quand il y a deux bateaux comme ça, il me faut quand même de la place pour faire des manœuvres. Hors de danger. Je dois dire que tu m'as fait peur cette fois, capitaine. Oh, mon bateau, c'est le plus beau des bateaux. Ah, lui me fait de l'œil, lui me fait de l'œil. Repliez la voile, repliez. Lui me fait de l'œil. Ah, la musique, je l'aime bien celle-là. C'est un beau navire. Je te sens pas obligé. À faire quoi? Combler les silences. Oh. Ah ouais, combler les silences, c'est une horreur. C'est tout simplement que je prends rarement la mer. C'est parfois libérateur. Il y a des débris. Oui, libérateur me semble au juste. Ah, il nous attaque pas en plus. Je range-toi par-dessus bord, c'est toi qui les prends. Coupé en deux. Et il nous attaquait pas du tout. Hein. Donc je crois que... On arrivera bientôt à ce qu'il
Je crois que ça sert strictement à rien. À part monter ma prime. Voilà, à part monter ma prime. C'est quoi ça tout ça? C'est des pirates? Ils n'ont pas intérêt de me toucher, sinon je les coule tous. Ça va les Athéniens? Ça vous fait rien de défoncer les Athéniens? Ça vous fait rien? Ah, faut que je regarde mes lieutenants parce que j'en ai changé. Hein. Je crois qu'on a mis une femme avec une lance. Je suis content de te voir sain et sauf, Phidias. Moi aussi, Terras. Comme tu peux le voir, je ne suis pas venu seul. Ah oui, voilà l'héroïne compatissante dont parlait ton message. Je l'ai fait par intérêt. Si je ne comptais pas y gagner quelque chose, il serait déjà mort. Et pour te remercier, j'ai trouvé des informations sur un dénommé Brison qui cherche à tuer Phidias. Ah. Espérons que cet indice pourra t'être utile. Il l'est. Remercie Périclès pour moi et fais-lui mes adieux. Et sois prudente. Je pense que beaucoup sont encore en danger à Athènes. J'ai fait tout ce qu'a demandé Périclès. Temps de retourner le voir et de découvrir ce que ces Athéniens savent sur ma mère. Merci encore. Adepte de Cosmos. Oh, tous les indices découverts sur eux. Alors, fais voir un peu. Je jure sur ma vie et sur les vies que je prendrai que je ne trahirai plus jamais Cosmos. Donc, Brison est un membre du Cosmos. Intéressant. Intéressant. Toutes les flèches percent les boucliers et plus 30% de dégâts de chasseur. Ouh, ça c'est un bon équipement ça pour chasseur. Peut-être le meilleur. Donc Brison fait partie du Cosmos. C'est bon à savoir ça. C'est bon à savoir. Ouais. Je sais pas si on va vraiment rejoindre la demeure de Périclès. Je sais pas si on va le faire maintenant, mais... On a une petite... Ouais ! On a une petite île avec des trucs à faire. On va faire des trucs ici. On va faire des trucs ici. C'est pas très grand, donc... On peut en profiter. Oh merde, j'ai pas regardé. Qui c'est qui maintient ça ? C'est Spartiate ? Spartiate. Ah, j'ai du mal à dire... Je me force hein, à pas dire Spartan à chaque fois. Bonjour. Un entrepôt. On va faire tomber les Spartans. Attends. Moi, je veux... Allez, vas-y. On va combattre ouvertement. Voir si j'y arrive. Alors, fais voir un peu. Pas de dégâts. Ah oui, c'est vrai qu'on a les dagues là. Je sais ce qu'on peut faire. On va refaire notre set. Vu que... Ta merde. Vu qu'on va... Oh la vache. Que je fasse n'importe quoi non plus. Oh non, ils ont cette attaque de merde quoi. Ah
fait même pas tomber. On a deux mecs sur la tête quand même. Putain, change de... On va refaire notre build, on va augmenter les dégâts de poison. Et les mecs sur le bateau, vous voulez pas venir m'aider, on est juste à côté. Ah, attends, faut voir, on va retester ça. What the fuck? Mais putain, mais c'est ma flèche qui brûle tout, quoi. Je crois. Je crois que c'est ma flèche qui brûle tout. En éliminant un autre mercenaire, je m'enrichis et je réduis la concurrence. Vas-y, fais voir. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ouais, c'est pas mal. Je sais pas pourquoi il s'énerve sur le mec. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes débile ou quoi? M'aidez pas surtout, hein, le bateau. M'aidez pas surtout. Bah attends, je dis ça, peut-être qu'ils peuvent. Est-ce qu'on doit tous les tuer ou pas? Ah, lui aussi, on peut. Attends, tu vas me dire que si je tire depuis mon bateau, personne va m'aider? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ah, mais c'est le mec de quête. Il est invincible, du coup. Non, stop, stop, stop. Non, stop, 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 stop. Moins vite, les rameurs! Les archers, devant! Ça sert à rien. Ça fait rien du tout, hein, on est d'accord. Ouais. Préparez le navire pour amarrage. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de taper le mec de la quête. C'est bien. Je sais pas pourquoi, honnêtement. Un peu débile, les mecs. Ça peut être marrant avec l'habilité en fait. Ouais, fais rouler boulet toi. C'était. Toi t'es. Là, c'est de la merde. Fais voir si. Si je fais ça. Oh. Les mecs ils tirent sur les mercenaires, ils tirent sur mes mecs, ils branlent que dalle quoi. Bon désolé mais là on a un combat un peu étrange, hein.
un combat un peu étrange. Putain, j'arrive pas à avoir la troisième barre, quoi. Ouais, j'ai pas l'habitude. Faut que je fasse la touche R2 pour me jeter en fait sur la cible. Et les mecs, vous êtes nuls. Vous êtes complètement nuls. Vous me faites honte, quoi. Vous me faites complètement honte. Vous êtes... Ah là là, plus passif que ça, t'as pas, quoi. Plus passif que ça, ça existe pas. Les mecs, ils se prennent des flèches et tout, ils branlent rien du tout. Catastrophe. Alors, on va refaire notre... On a fait des tests. Honnêtement, je regrette pas, du coup, hein, parce que... Au final, c'est utile. Là, c'est quoi? Spartiate, dégâts de feu, dégâts athéniens... Ah non, non, non. Non, là, je compare avec celui-là. Non, c'est de la merde. Je regrette pas d'avoir fait des tests. Parce que là, on a vu que c'était quand même bien de la merde. Alors, là, on a quoi? Essentiellement dégâts, aptitude surpuissance, dégâts guerriers. Ah, l'aptitude surpuissance, c'est pas mal, ça. Je commence à bien aimer ça. Donc, alors, résultat des cours, ça c'est nul, dispersion de tir, ça fait pas assez de dégâts. En fait, la seule chose qui est pas mal avec dispersion de tir, ça serait d'utiliser des flèches explosives et de tirer en fait avec ça. Du coup, parce que ça fait, bah, ça fait des flèches explosives, ça fait du feu, et ça fait des dégâts. Mais bon, honnêtement, c'est 100% de la flèche, quoi. C'est juste un tir normal en fait. Ouais, non, honnêtement, je trouve ça un peu nul. Je trouve ça vraiment un peu nul. Ça, c'est pareil, honnêtement. Ça fait pas de dégâts du tout. Donc, ça et ça reste le mieux. Le tir de prédateur reste très bien. Bon, après, il nous faudrait genre un arc en or pour pouvoir one-shot et tout. Mais bon, on peut encore one-shot des trucs. Hein. Surtout, ça aide pour les animaux et tout. Ça aide aussi quand on charge pour, par exemple, rendre les gens inconscients. Et c'est vachement bien. La charge, ça aide pas du tout, en fait. Je vais être honnête, ça aide pas du tout. J'ai l'impression que c'est gâcher un d'adrénaline de le faire. Ça, c'est exactement la même chose. J'ai l'impression que c'est gâcher un d'adrénaline de le faire. Donc, pas intéressant du tout. Donc, il reste plus grand-chose. Hein. Après, il y a ça, mais c'est genre 60% de dégâts d'assassin. C'est pas énorme. Mais bon, après, si vous êtes à fond en assassin... Parce que du coup, vous pouvez le faire en attaque, en fait, en combat. C'est utilisé en conflit ouvert. Donc, ouais. Mais ouais, non, très très déçu. Alors, par contre, vu qu'on a des dagues de poison. Vu qu'on a des dagues de poison. Alors, ça... bon, on va le mettre là, mais pour l'instant, honnêtement, ça sert à rien. Alors, après, c'est quoi? C'est 20 secondes. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est ça. Accumulation de dégâts, durée d'intoxication accrue de 4 secondes. Voilà, très bien. Et plus tard, ce serait dégâts de poison et effet d'affaiblissement accru de 25%. Mais bon, je pense qu'on aura plus ces dagues là. Hein, mais voilà, ça sert à rien. On veut juste débloquer la maîtrise du poison en fait. C'est que ça dure plus longtemps et tout. Donc ça c'est bien. Alors on remet le soin. Ça. Ah, déçu des habilités. Déçu. Ça me foutait plus dans la merde qu'autre chose, quoi. Parce que je combattais différemment, du coup, ça me foutait complètement dans la merde. Ah
Après, quand je pourrai débloquer les niveaux 3, on retestera. Mais là, non. Là, non. Là, c'est du non, non, non. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'on reprend le feu, par contre ? Bon, le bouclier, c'est quand même vachement utile. Hein. Je vais pas dire, mais... Le bouclier. Si le coup de pied spartiate pouvait faire tomber les boucliers, honnêtement, je dirais pas non. De garder le coup de pied à la place. Mais bof. Mais ouais, non, enlever le bouclier, c'est quand même vachement pratique. Très bien. Ça, honnêtement, j'en ai pas vraiment envie. Ça m'intéresse pas plus que ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reprend le feu, par contre ? C'est vrai que le feu fait quand même pas mal de dégâts. Mais bon, maintenant, on est plutôt poison. Enfin, on est tout le temps poison. Donc, on a limite pas besoin de... Pas besoin de buff. Donc, on peut prendre autre chose, à la limite. On peut prendre autre chose. On peut prendre un truc de mêlée qu'on utilise de temps en temps, comme ça. On pourrait prendre le coup de pied. On pourrait reprendre le coup de pied. Non. On a 4 points. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ou alors on prend ça. Ouais, ça peut-être. Ouais. Hop. 8 secondes. Et après, ce sera 10 secondes. Très bien. Du coup, on utilise ça. Bon, on va enlever tout ce qui est feu sur notre équipement. Et après, en 2 points, on va mettre... Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque rien de spécial. Hein. Il nous manque rien de vital, j'ai envie de dire. Voilà, comme ça. C'est quoi, ça? C'est un chien en 2D. Ah oui, c'est vrai que on n'avait pas fini. Voilà, on va te laisser en vie. Ils vont se montrer très vigilants. Voilà. J'ai vu qu'il y a le mec qui s'occupe de ma... Juste là, de ma... Un peu chier. Ah mais attends, mais on a, oui, on a quasi, on n'est pas recherché ici en fait. Enfin maintenant si, mais hein, on avait compris quoi. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? J'ai tué le capitaine. Ah. Désolé mec, on est même obligé de te tuer. Genre le jeu m'oblige de te tuer. C'est vraiment con, hein. Genre, le jeu m'oblige, quoi, à être un meurtrier. Enfin, j'ai envie de dire, le jeu m'oblige à être un assassin. Oh, pas mal, ça va être pas mal, pas mal. Est-ce qu'ils ont un forgeron? Yes, ils ont un forgeron. Donc, on va changer notre équipement. On va arrêter de faire du feu. Par contre, on va mettre dégâts de poison partout. J'espère que je fais pas des conneries, mais... What the fuck? Mais qu'est-ce qu'il a, le poulet? Casse-toi! Ah, je vois que tu as bon goût. C'est quoi ce... Ouais, non, non, mais attends, t'as des poulets qui attaquent ici, ça va pas la tête. Le cheval.
ça. Gravure. Alors, nous, on avait mis dégâts de feu, mais du coup, on sert à rien. Alors, dégâts critiques, adrénaline par coup. Adrénaline par coup, peut-être. Ça peut être pas mal. 50% de dégâts sur aptitude cri de guerre d'Arès. On note ça. Vu qu'on va refaire l'équipement. J'ai la hache. La hache, on avait mis quoi? La hache, on n'avait rien mis. Dégâts d'armes deviennent des dégâts... Oh, on a ça maintenant. Eh oui, parce qu'on a récupéré la dague. Oh, c'est pas mal. Donc du coup, en fait, on peut tout le temps mettre du dégât de poison sur nos armes. Ah, intéressant. On peut vraiment se spécialiser poison jusqu'à la fin, quoi. Intéressant. Intéressant. Je peux mettre du poison sur la hache. Parce que on se spécialise poison. J'espère que je fais pas des conneries. Parce honnêtement, pour moi, le poison est pas aussi intéressant que le feu. Hein. Frappe héroïque, faut que je me... Deux secondes, parce que je me rappelle jamais ce que c'est. Frappe héroïque, c'est quoi? Ça, c'est la surpuissance. C'est quoi la frappe héroïque? Ah, c'est ça, d'accord. C'est ça, d'accord, ok, ça marche. Que puis-je te proposer? Ça ne m'intéresse pas. Alors, 12% dégâts de poison. Dégâts sur les soldats athéniens. Est-ce qu'on a dégâts de poison ici? Dégâts sur les cibles l'arc lointain, c'est bien ça. Dégâts à l'épée. Distance, chasseur, tout dégâts. Tire dans la tête. On va mettre ça. Là on a quoi? Armure totale. 24% sur l'armure totale. Accumulation d'éléments. Donc je pense que le poison c'est un élément. 35% durée de recharge de l'aptitude frappe héroïque. En cas de parade arrivée. 15% durée de rechargement pour l'aptitude cri de guerre d'Arès pour élimination. Moins 15% de durée de rechargement. Ah, c'est bien ça. Les gants qu'on a fait, hein. Ouais. Toi, tu m'embêtes un peu. Parce que toi ah, arme lourde. Ah, attends. S'il te faut autre chose, dis-le-moi. J'avais pas vu qu'on avait récupéré ça. On vient juste de le récupérer, je crois que sur le mec qu'on vient de tuer là, le soldat. Oui. On va prendre ça parce que bon, l'armure. Bon, l'armure, on perd parce qu'il y a total d'armure 18%, mais on gagne dans toutes les autres stats. Bon, on perd aussi de la vie. Tous les dégâts, dégâts armes lourdes. Ouais. Par contre, si... Oui, non, mais de toute façon, tu me répondras pas. Si on met dégâts de poison, merde. 24% d'armure totale. On a perdu un peu de vie, mais on a gagné masse d'armure normalement. 4% d'armure totale, on peut mettre du soin aussi, enfin de la santé. Attends, moi j'avais mis quoi? J'avais 18% d'armure totale. Ah ben maintenant on passe au niveau au-dessus du coup, 24. Et là il nous faudrait dégâts poison, non? Dégâts crit en pleine santé, soldats spartiates. On a vu qu'on va tuer les spartiates. Merde, j'ai pas vu ce que j'avais mis sur les bottes de base. Non, on utilisait ça, dégâts de feu, dégâts à l'épée, dégâts de feu, dégâts... Oh, elle est bien celle-là, dégâts soldats, athéniens, spartiates, c'est bien ça. Dégâts de pause. Ça c'est pas mal, ça on peut la mettre en deuxième arme, comme ça on aurait 16% sur les deux types de soldats. Pas l'utiliser, hein. on n'est pas obligé, mais ouais, on peut mettre ça en stat.
Là, on a dégâts de feu sur cette grosse hache. Ah, t'achètes, tu vends des trucs de bientôt ou pas? On a une lance, dégâts de guerrier, aptitude surpuissance. Santé, seconde d'incendie, non, ça ne nous intéresse pas. La lance peut-être? Est-ce qu'on change pour la lance? Dégâts de feu, tous les dégâts. Guerrier, attaque surpuissante. Bon, moi j'aime bien l'attaque de hache en fait. Dégâts armes lourdes. Ah, attends. On va perdre quoi? On va perdre tous les dégâts 4%. Bon, on attendra d'avoir une arme lourde. Ah, ça, on a ça aussi. On attendra d'avoir... toi, est-ce qu'on garde ou pas? Tous les dégâts, critique en pleine santé. Oh, probabilité de critique en pleine santé, ça c'est bien ça. On va te garder. Je pense qu'on attendra d'avoir une nouvelle hache. Je veux aller sur mon bateau pour aller déposer tout ce que j'ai, parce que là on a que des choses qu'on peut pas vendre ou détruire, donc du coup c'est beaucoup plus simple pour moi. Oui, on est chassé, je sais. Ces trucs là. Ça je la garde. L'épée d'Axon. Ça, 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 ça. Pourquoi je fais... Ah! Arc et flex grec. Mais putain, mais casse-toi l'arc quoi. Mais casse-toi, je t'en supplie. Je vois pas pourquoi tu... Ouais, tous les trucs bleus comme ça, là, on peut pas les détruire, rien, hein, donc... Bon, voilà. Là, on est nickel. Là, on est nickel. Donc, on va faire... Bill poison. Je vais voir un peu les stats. Normalement, on a un bon truc de poison. J'aime bien là les aptitudes. C'est bien. Alors, fais voir poison. Accumulation de toxique 140%. Durée de la toxique 16 secondes. C'est très bien. Dégâts de poison 32%. Bon, on a toujours le dégât de feu qui est plus élevé. Mais bon. Bon. Moi, je me disais que le poison est mieux. Pour le moment, de ce que j'ai vu, le feu est nettement mieux. Mais bon. On verra quoi. Et comme flèche, on va faire du poison aussi. Voilà, pouf, poison, on est tout toxique aujourd'hui. On est vraiment toxique. Toi par contre, toi t'es intéressant. Ok, le poison se met très vite. Je vois pas sa vie descendre, mais c'est pas grave. Je vois vraiment pas sa vie descendre. Moi aussi, je peux faire ra. Mais attends, il m'a touché, je suis empoisonné? Mais... What the fuck? Attends, c'est... Pourquoi c'est moi qui me fais empoisonner, là?
Oh yes, ça tue. Ok, d'accord. C'est vraiment l'habilité pour s'échapper en fait. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est vraiment l'habilité qui est faite pour s'échapper. Donc le jeu force plus ou moins. C'est pour ça qu'elle est très lente. À partir en fait des combats. C'est parce que cette habilité est vraiment faite pour. Ça déloque automatiquement et elle court à fond en fait. Elle a 100% de sa course. Monte. Non, ok. D'accord. Non, tu veux pas monter. Pas grave. Non. Il faut. Lycoris. Il faut prendre Lycoris. Les dégâts de poison, c'est une catastrophe. Les dégâts de poison sont une catastrophe, ça fait tellement mal. Et les deux sont poison. Si jamais on avait des doutes, hein, que ça faisait très mal pour nous. Seul poison, on peut pas l'enlever. Le feu, on peut l'enlever en faisant un roulé, mais le poison, on peut pas l'enlever. Après, les dagues, ça manque de portée, hein, quand même. Moi, comme j'ai dit, je suis pas très fan des dagues, mais bon, là, elles sont vachement bien. Quoi. Qu'est-ce qui se passe? Non, ils vont pas tuer encore le mec, mais sérieux, quoi. Je me rappelle plus. Qui c'est qu'il faut sauver? Lycoris. Sont teubés. Non, l'autre il s'est sauvé. Comme il se soigne vite. C'est sympa cet endroit en fait. Je crois qu'on peut tuer tout le monde comme ça. Ça fait mal par contre. Où tu vas? Le saut.
bientôt prendre la mer. Ça va, t'as pas besoin de courir très loin, le bateau est juste là. Bon bah encore une fois merci hein. Merci encore. Non, merci à toi. Venir me voir dans des circonstances moins pénibles. Ouais, je vais essayer mais honnêtement honnêtement, c'est mal barré. Bon, résultat des courses, je vois toujours pas de dégâts hein, de poison. Je vois pas de dégâts de poison, ça marche pas. Je comprends pas du tout le gameplay du poison. J'imagine que ça doit baisser les stats, ça c'est sûr, comme ça dit, hein, mais ça fait pas de dégâts. Hein. On est d'accord. Hein. Vas-y, pour le fun. Parce que sinon, je vais passer pour un con. J'ai remis la valeur des dégâts. Bon, on va où déjà? Les trucs là. Beauté du regard bleu. Pas des flèches empoisonnées. Vas-y, viens que je te tape. Waouh, c'est ça tes dégâts? Donc, tu m'étonnes que je... Merde. Tu m'étonnes que je les vois pas. Ah, ça augmente avec le temps par contre, non? Non, ça augmente pas du tout avec le temps. C'est ça les dégâts de poison? Ah ben putain, c'est de la merde. Hein. Je suis désolé, mais... Après, est-ce que c'est vraiment intéressant parce que ça baisse les stats? Les ennemis sont intoxiqués lorsque leur jauge de poison est remplie. L'intoxication inflige des dégâts prolongés et réduit les dégâts que cause l'ennemi et son armure. À la limite, c'est peut-être comme ça qu'on fait très mal avec l'attaque surpuissante. Mais honnêtement, je suis pas complètement certain de ça. Dégâts de poison, effet la plus vivant accru de 25%. 25%, c'est pas énorme. Faudrait des stats, putain de merde. Faudrait des stats sur de combien ça baisse. Je sais pas s'il le dit, je crois pas. Pourquoi je cache les... Pourquoi j'affiche pas les dégâts? Parce que ça sert à rien en fait de voir les dégâts. Parce qu'on se concentre en fait sur des chiffres. Mais au final, ça sert à rien. Que fait une petite fille dans une fosse d'argile? Oh, une Mistios! Bonjour, Mistios. Je prépare quelque chose pour mes amis. Je suis restée ici toute la journée. Mais il me faut encore de l'argile. Il m'en faut assez pour chacun. C'est étrange d'offrir de l'argile à tes amis. Tes amis risquent de ne pas aimer qu'on leur donne de l'argile. Mais non, Mistios. Je ne vais pas leur donner ça. C'est autre chose que j'ai envie de leur offrir. Tu es une amie généreuse. Qu'est-ce que tu veux leur donner? Je veux leur donner de jolis bijoux. Tu veux dire des bijoux? C'est ce que j'ai dit. Ça m'étonnerait que tu aies de quoi en acheter. Je sais. C'est pour ça que je voulais aller chercher des pierres brillantes dans les mines abandonnées. Et des perles dans la lagune. Mais j'ai dû rester ici pour l'argile. Et les mines abandonnées font vraiment peur. Tu crois que tu pourrais m'aider à trouver des cadeaux pour mes amis? Ça leur ferait plaisir. Et ça me ferait plaisir à moi. Si tu m'aides, je te fabriquerai aussi des bijoux. Allez,
Avec plaisir, jeune fille. Je vais te trouver les plus belles perles et pierres brillantes. Et j'aimerais bien de jolis bijoux, moi aussi. Oui, merci. Tu es vraiment gentille pour une grande qui fait peur. Où sont ces mines? Où sont ces mines abandonnées et leurs pierres brillantes? La mine est dans la prairie, à l'ouest du temple. Je vais voir ce que je peux trouver. Ça marche, merci. D'accord, j'ai tout compris. À plus tard. J'aurai bientôt fini ici. Retrouve-moi à la falaise au-dessus de la lagune, d'accord? Ça marche. Je te présenterai mes amis. Merci, Mistios. J'aime bien notre armure aussi. Elle a plus d'épaulettes, tout ça, donc elle est un peu plus légère, on va dire. C'est sympa. Bon, ça, apparemment, c'est pas loin d'un temple. Qu'est-ce qu'on a à faire, là? C'est quoi, ça? Plein d'endroits. Il y a un requin qui est piégé ici. Lagune. C'est la lagune dont a parlé la petite fille. C'est marrant qu'il y a un requin ici. Ça n'a pas l'air profond du tout, en fait. Est-ce qu'avec... Ok. Ok là. Wow, j'aime pas quand ça fait ça. Attends, on dirait un temple. J'ai assez de perles. Ça va dans la mer, ça. Ah non, non, ça ressort dans le monte. Ouais. Sympa. C'est joli ici, cette petite île, elle est marrante. Bon, si jamais on veut faire des gros dégâts, il faut spécialiser dans le feu. Mais bon, après peut-être que... Peut-être que... Je me dis que le poison va être intéressant, comme j'ai dit, par rapport au fait que ça baisse les stats. Moi, je pense à ça. Moi, je pense à ça. Je pense que le poison peut être intéressant parce que ça baisse les stats. Ça baisse la défense, en gros. Mais tu vas mourir Mais non, mais sans déconner. Avec le feu, il serait déjà mort. Après, j'aime bien parce que là, on a pris donc une habilité pour enduire de poison nos lames, mais on l'utilise pas. C'est juste pour débloquer la deuxième habilité et de l'augmenter. Donc le fait que le poison reste longtemps et il s'accumule très vite en fait. Donc ça, c'est bien. Ah ouais, non, mais ils sont horribles ces machins.
sont horribles ces machins. Attaque les villageois et tout. Waouh, le tournant qu'il a pris ce bateau, non ? Il y a un mec qui fait wouh wouh. Je sais pas, c'est parce que... Est-ce qu'il nous a vu voler ou alors il est juste vénère de base ? Enfin, mauvaise journée. Et je pense que dégâts de feu, dégâts de poison et tout ça... Alors, quand on a vu que niveau 3, les habilités ont 0 seconde de recharge en fait. Donc en gros, on peut tout le temps mettre du feu sur nos armes. Ah, les mines, c'est là que se trouvent les pierres qui brillent. On peut toujours mettre du feu sur nos armes, ça voudrait dire. Les mines abandonnées aux pierres brillantes. Mais je me dis que là on a une habilité, enfin non, on a une gravure qui nous permet d'avoir toujours du poison sur nos armes. Je me dis que ça va être plus ou moins pareil pour le feu, qu'on pourra avoir des armes de feu en fait. Donc du coup cette habilité aussi servira à rien. Et on pourra tout simplement récupérer le deuxième rang là, pour augmenter l'accumulation et les dégâts. Est-ce qu'il y a un serpent ? Il y a des serpents partout. Bah encore heureux que la gamine elle y est pas allée. Hein. Par contre, un truc où je suis très content, c'est, comme j'ai disais, l'habilité. Où ça nous permet de d'étourdir les gens. Comme prévu, hein, c'est fait pour échapper, en fait. C'est pour ça qu'elle est très lente à casser le combat, en fait. À briser le fait qu'elle est en combat. Donc il faut cette habilité si vraiment on veut pouvoir s'échapper efficacement. Voilà, efficacement. Ouais. Donc ça c'est bien. Il y a un chemin là. Ah. Attends, il y a un chemin. Vraiment un chemin? Non, c'est un mur. Donc ça c'est bien. On a fait cette découverte au moins. Retourner voir la petite fille. Yo. Tiens, me touche pas. Ah mais vous êtes infesté de serpents sur cette île. Bonjour. Mais t'es qui? Non mais je viens juste de venir, je connais pas, je sais pas où on est là. D'accord, ça m'a bloqué mon attaque. Mais t'es qui? Le mec qui gardait la mine.
on peut aller là. Ah, là d'abord. D'accord, on s'est pris une branche. Je pensais pas que les deux allaient m'attaquer, fait chier. Putain de merde! On est dans la merde. C'est quoi ça, des lynx? Oh, vous me faites chier. Putain de truc à la con, quoi. Une horreur, ces machins. Des pilates. C'est malin. Les flèches venaient de là-bas. Vas-y, viens. Pas vraiment celui-là que. C'est pas vraiment celui-là que je voulais taper. Pas grave. Ah mais t'es seul mec gros. Ouais, deux coups il devient empoisonné. C'est pas de notre niveau ici hein. Les mecs, ils doivent être plus bas que la normale. J'ai vu qu'on avait un... mercenaire aux trousses. L'île elle est petite donc au bout d'un moment il va nous tomber dessus quand même. On est le Mystios qui tombe du ciel. Ouais, classe cette armure quand même. Lors de la cérémonie du choix. J'espère sincèrement que tu y seras. Laisse-moi deviner. Il est riche. C'est Aetios, l'héritier de la famille la plus influente de Chaos. Et la cérémonie de son choix d'épouse aura lieu demain. Pour être choisi, il faut la bénédiction d'Eros. Tu espères devenir riche en te mariant? Non, c'est Aetios qui me plaît, pas sa fortune. Ouais, c'est ça. Même si tes sentiments pour lui sont sincères, l'argent ne fait que les renforcer. Non, je suis vraiment amoureuse de lui. Tu peux te mettre à prier avec les autres. Non, il faut que je me distingue. Si je fais comme tout le monde, je ne serai jamais choisie par Eros ou Aetios. Je suis prête à tout. Absolument tout. Absolument tout. Oui. Tout. Tu tues tout le monde, hein?
Allons, il est assourdi par les jacasseries de toutes ces femmes. Laisse-moi t'aider, je suis une servante des quatre, déesse de la sorcellerie et de la magie. Je sais ce qu'il te faut. Un filtre d'amour. Ah oui, bien sûr. C'est ridicule, les filtres d'amour sont un mythe. Je vais te l'acheter. Je t'en prie, vends-le-moi et n'en parle pas aux autres. Je ne veux pas de ton argent, je répands gratuitement la parole des quatre. Mais un filtre d'amour est propre à chacun. Il faut que je le prépare. Avec amour, rien que pour toi. Une fois que la dernière goutte aura coulé dans ta jolie gorge, il émanera de toi une beauté pure et flamboyante. Ouais, bien sûr. Aethios en deviendra ton esclave. Les flamboyantes, elle va prendre feu. Mais avant, il me faut deux choses. Du vin de grande qualité et quelques champignons sauvages. Des champignons... Pourquoi tu me regardes ? Où vais-je trouver ça en si peu de temps ? Ma foi, cette Mystios acceptera forcément de t'aider. Je t'en prie, Mystios, je t'en supplie, aide-moi ! Au nom de l'amour et au nom de l'argent, enfin, ouais, oui, je voilà. Te donnerai tout ce que j'ai. Et si Aethios me choisit, et plus. Je pourrais t'en donner bien davantage. Oh. Ah, elle sait nous parler, elle. Ah, elle sait nous parler. Je vais trouver les ingrédients de ton filtre d'amour. Ah, ouais, ouais, ouais. Le vin de grande qualité est une denrée rare. Où vais-je en trouver ? À Rome. Une cargaison de vin très coûteux a disparu dans un naufrage, il y a peu. Va voir l'épave dans la baie des pirates. Tu devrais en trouver si elle n'a pas déjà été pillée. J'ai déjà pris. Elle est échouée sur la côte ouest de je l'île. Crois. Où est-ce qu'ils poussent ces champignons sauvages ? Non, non. Une cargaison de champignons peu communs est arrivée à l'entrepôt de l'octroi. Vas-y, et rapporte-moi en quelques-uns. Oh putain, faut que j'aille défoncer. Très bien, je vais aller chercher ça. Défoncer des gens. Tu nous retrouveras alors au temple, au sommet de la colline. Bon, là, on a déjà ça, non ? What the fuck ? Je te tue et je vais chercher mes draps. Mais qu'est-ce que t'as, toi ? Putain, on est en pleine quête, là. Vas-y, tue pas les gens à côté, bordel de merde. Oh là, tu m'as gavé. Oh la vache, elle touche quoi. La pute. Oh la vache, putain, je déteste les dagues quand même. T'es sérieux là ? Oh mon dieu, putain de quoi. Parce que je sais pas. Ah, t'as de la chance, quoi. Mon navire a besoin de marins comme toi. Viens. T'as vraiment de la chance. Honnêtement, je voulais te tuer. Je voulais vraiment te tuer. Baie des pirates. Ah, du coup, on n'a pas pu récupérer. La cargaison de la baie des pirates, en fait. Alors qu'on l'a faite. Enfin, on savait pas ce qu'on recherchait, à la limite. C'est là. Non. L'épave avec le vin. C'est j'espère là. Que les pirates ne sont pas encore passés par là.
Eh ouais, non, on a pas regardé l'épave en fait. Donc ça va, ça a du sens. Ouais, on n'a pas regardé ce qu'il y avait là. C'est sûrement l'épave dont elle a parlé. Ouais. C'est tout ce qu'il reste du vin ? Les pillards ont bien nettoyé cette épave. Très bien. Ouais, non, les dagues, c'est marrant, parce que voilà, ça tape vite, hein, mais c'est très dangereux, et puis c'est bof. Enfin, moi, c'est pas mon style, quoi. Et le truc, c'est qu'on peut pas enchaîner attaque légère, attaque lourde. L'attaque lourde, c'est tout le temps ça, en fait. Bon, ça permet de faire un saut et de couper la distance, en fait, dans le combat. Donc ça, c'est bien. Mais après, ça, c'est le R1. Et si on fait du R2 en même temps, bah ouais, non, ça fait pas d'enchaînement. Donc, dans un sens, je me demande si ça... je crois que c'est quoi? C'est quoi qui fait ça? Les coups de grâce et combos infligent plus de dégâts lors des combos contiennent à la fois des attaques légères et puissantes. Donc ça, je sais même pas si ça fonctionne sur les dagues, du coup. Parce que vu que c'est pas compté comme un enchaînement... Cabane forestière. Là, c'est des petits détails comme ça. On y va. Qu'il faudrait connaître. Elle est arrivée plus tôt que je ne pensais. Oh, Théo, ne mets pas ça dans tes cheveux. Tu es drôle. Attends, tu chantes Motus. Motus là ? La 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 bon, bon, Motus. Mistios, tu arrives au bon moment. Mes amis sont enfin là. Mais... je ne vois que nous ici. Quoi ? Oh, elle a fait des sculptures. Ils sont juste là. D'accord. Celui de gauche, c'est Théo. Et là, à droite, c'est Erla. Non, c'est triste. Ils sont en argile ! Captain Obvious ! Tes amis ? Mais ils sont en argile. Comment ils pourraient être tes amis ? Comment ça ? C'est mes amis, puisque je les ai faits. Je sais que tu les as faits, mais... ma mère m'a dit de me faire des amis. Alors voilà. Ce n'est pas comme ça qu'on se fait des amis. Dis à ta mère... je ne peux pas. Elle est morte. Ah, voilà. Maman est morte. Elle a rejoint les pirates. Elle a dit qu'elle ramènerait tellement de drachmes qu'on nagerait dedans. Mais un jour, Mistios, elle est revenue avec sa robe blanche, toute rouge... et elle m'a dit de prendre soin de moi et de me faire des amis. Mais j'ai jamais eu d'amis. Après, en Chine, il y en a un, il s'est fait des soldats en argile. Alors j'ai très fort et je me suis fait des amis en argile. Donc honnêtement... Maman sera en colère. Je l'ai pas fait exprès. Je l'ai pas fait exprès. Tu peux continuer. Tout va bien, petite. Tout va bien. Ta mère serait fière de toi. Des amis, il en existe de toutes les sortes. J'ai un aigle, moi. Bah oui, voilà. Et c'est un très bon ami. Oh, c'est vrai. T'en as de la chance. Tiens, voilà des cadeaux pour tes amis, comme promis. Si tu les mettais sur eux, je suis sûre que ça leur plairait. Merci, Mistios. Tu es formidable. Je vais le faire tout de suite. Bien sur mon bateau. Désolée, petite. Je n'ai pas eu le courage de te briser le cœur, même si j'aurais dû. Ouais, j'aurais dû... non, pas vraiment. Bilge ou poussin. Quoi ? Ça, c'est le 20-20. Le 20 fin. Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu un bilge... ah, là, à droite. Ça. Les billes jouent... ah, c'est ce qu'elle disait en fait, parce que je pensais qu'elle disait billes, mais en fait c'est des billes. Elles sont aussi splendides que leur nom et le laisse supposer.
Ça va, sympa. Ça sert à quoi de lui briser le cœur maintenant? T'inquiète pas que la vie va s'en charger. Hein. Je reviendrai la voir plus tard. Pourquoi? Mais je te... La fous-la dans ton bateau, honnêtement, elle sera contente. Elle va apprendre plein de trucs. Non, c'est pas... Non, j'ai pas dit ça... Hein? Voilà l'entrepôt. Les champignons sauvages doivent être à l'intérieur. On a déjà défoncé l'entrepôt. Bon, le mec sur l'île, il faut le tuer aussi. Allez, Phobos. Il était où l'entrepôt? Il est juste là, ouais. Casse-couille, là. Ça va? Je me réserve la prime sur ta tête! Putain de merde. Oh là là, les dégâts! Non, elle est très bien cette habilité. Si je t'ai trouvé une fois, je te retrouverai. Ça marche. Bonne chance. Ouais, jolie son épée en feu. Putain de merde, j'ai pas pu le... Par contre, il faut juste que je regarde un truc. C'est moins 15% du durée de rechargement. Pour élimination. Okay. Donc, quand j'élimine, on gagne 15% du rechargement. What the fuck? Mais putain, les poulets, qu'est-ce qu'ils vous avez? Tu fais quoi, toi? Non, mais c'est les poulets, ils m'ont attaqué. Non mais arrêtez, arrêtez les mecs, arrêtez. Sans déconner. Putain, vous faites chier. Après moi j'ai envie de dire, on pourrait ne pas les tuer. L'entrepôt de leurs trois. Reste à trouver ces champignons. Mais bon, vu que ça fait rien de spécial. Du vin et des champignons sauvages, j'ai tout ce qu'il faut. Vu que ça change. Cette fille et la sorcière au temple. Ça change pas grand chose de pas tuer. Donc, non, c'est pas que ça change pas grand chose, ça change rien du tout. Donc Osef quoi. Ah, je vais plus pouvoir me passer de cette habilité hein, pour casser le combat. Hein. Ça, c'est top. C'est vraiment top. Ça
mais ça va, tu... Putain, mais vous avez des yeux d'aigle, hein. Voilà tout ce que vous vouliez. Oh, merci, Mystios. Maintenant, il me faut quelque chose de plus personnel. Le dernier ingrédient. Je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Oui. Que te faut-il, sorcière ? Il y a plein d'argent à la clé. Seule la jeune fille peut me fournir ce dont j'ai besoin. Je te donnerai ce que tu veux pour l'amour d'Aetios. Donne-moi simplement quelques-uns de tes ravissants cheveux. Ta tâche est terminée, Mystios. Viens observer le fruit de ton travail lors de la cérémonie. Ça va tellement mal finir. C'est celle qui surplombe la mer. Il faut que tu viennes. C'est quand Aetios m'aura choisi, je pourrai te donner ton dû. Ouais. J'espère qu'il est vraiment riche. Gagner son amour coûte cher. Viens, il reste beaucoup à faire. Nous nous reverrons à la cérémonie, Mystios. Ouais. Je suis sûr que ça va être une catastrophe, son truc. Ça va être une catastrophe. Est-ce qu'on a des lieux qu'on n'a pas explorés encore ? Saro Pyrgo. On n'a pas fini ça ? Je vais voir. Ah oui, piller le coffre. Ah oui, mais c'est la grotte. On peut rentrer sans que... Ouais, nous on vient en pèlerinage. Hein. Ouh, c'est joli. Ferme les yeux. Qu'on aille où? J'ai pas vraiment fait attention. Genre on a fini là du coup. Je vais voir ta quête. Île des pirates. La cérémonie va être le soir suivant. Mais où? À la grotte? C'est à la grotte normalement. Sauvegarder. Allez. Voyons voir un peu ce qui se passe. Ah, là-bas, ok. Avance. On arrive pour voir le fiasco. Ce qui est bizarre, c'est que filtre. Putain de merde quoi. Ouais, ça va. Je sais pas où je suis. On va en profiter. Moi, je veux voir ce qui se passe. Parce que demander des mèches de cheveux pour un filtre d'amour, ça serait plutôt récupérer des choses de l'autre personne, en fait. Un peu étrange. Et voilà. Mystios, tu es cette vipère. C'est elle qui m'a fait ça. Elle m'a rendu chauve. Pardon, mon amour. Laisse-moi un instant, le temps de chasser ces misérables. Tu avais parlé de quelques cheveux. Explique-toi. M'expliquer ? C'est limpide. Cette idiote, aussi belle que crédule,
à succomber à la concurrence. Elle m'a trompé. C'est voilà. Elle qu'un idiot a choisi. C'est bien ce que je pensais. Il ne m'a même pas accordé un seul regard. On m'a promis des drachmes, alors donne-les-moi. Je me fiche de votre querelle. À vrai dire, c'est la fille qui t'a demandé ces choses, pas moi. Elle se moque de nous, Mystios. Tu l'as. Tu es folle. Et tu vas le payer cher. Elle a joué et elle a perdu. Il n'y a rien à payer. Si, tu la crois vraiment innocente? Elle voulait gagner en employant la magie. Alors pas d'hypocrisie. Va-t'en et emmène ton ami à tête d'œuf avec toi. Je t'en prie, Mystios, fais quelque chose. Oh, tu me parles mal. Je vais tuer tes gardes jusqu'au dernier pour arriver à toi. Garde, arrêtez-moi cette vermine. C'est parti. Oh. Non, on peut toucher un peu les deux. Hein. Bon, j'ai un peu touché les autres aussi. Mais... Bon ben voilà, c'est bien passé. Tu me cherches ? Ah les putains de coqs de merde. Ah la putain de ta mère. Tu as envie de mourir. Putain de gros chat là, con. Vous pouvez partir. J'avoue que... Ouais, non, c'est marrant les dagues. Hein. Bon, tu veux toujours combattre toi? Apparemment, oui. Honnêtement, ils ont des attaques beaucoup plus fun que moi. Genre celle-là. Là. Elle est vraiment cool. J'en étais sûr. Mort du poison du coup. C'était elle ? Je crois que c'était elle. Du coup, il est mort du poison. Faut faire attention à ça.
Bon, je crois qu'on est bon parce que c'est. Ouais, non, c'est vrai que j'avais pas pensé vraiment à ça quand j'ai fait le build poison, quoi. Mais oui, pour... Une par quadre, une par crit, quatre chasseurs, trident. Mais c'est vrai que on risque d'avoir des problèmes pour capturer les gens s'ils sont empoisonnés. J'avoue. Dégâts et intégrité faible. Attention incendie de compagnie. On va se casser. Hein. Bon, on n'a plus rien à faire. Je vais juste regarder la quête vite fait s'il n'y a pas d'autre chose. Mais... On a tué l'autre. Il se foutait de notre gueule. On peut retourner à Athènes. On peut... Ouais, je dirais qu'on peut retourner à Athènes. Bon, là, on a fini. Hein. Ça, c'est fait. Là, on a une île, là. L'Estris. Je vais juste aller voir ce qu'il y a là-bas. C'est ça, on fait partie, en fait. Mieux vaut rester caché. Mais pousse-toi, bordel! Oh la vache! Oh, vous faites chier! Préparez-vous à faire voile! Tout est paré, capitaine! Tourne! Putain de merde! En avant! Allez! Prenez la voile! Tais-toi, ne dis rien! Ah! Ouh, la belle massue. Dégâts de massue lourde en plus. Et dégâts de poison dessus. Bon bah voilà, c'est bon, on a notre arme lourde. On utilisera ça quand on aura plusieurs personnes, je crois. Comme ça on peut enchaîner les coups là. Ça va plus vite de faire ça ou quoi? Non, je crois pas. On va regarder cette petite île là, ce qu'il y a dessus, et après on se casse. Enfin, après on arrête. Je pense qu'on va retourner à Athènes, en Attique là. On va faire tout le tour en fait de ce qu'il y a à faire, et puis basta. Toujours pas de barque, les mecs, hein. Bravo, vraiment bravo. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Les flippers. Oh, il y a un mec qui s'est suicidé, je crois.
D'accord, c'est pas ça que je vais faire. Il y a un mec qui s'est raté. Est-ce que ça serait l'entrée d'une grotte sous-marine? Il y a aussi un cadavre là. Oh, il y a un truc là. Oh merde. Waouh, tous les cadavres! Ouais, c'est un naufrage, quoi. C'est un joli naufrage. Par contre... On va bouger le bateau. Oh, les Athéniens, on y va. Honnêtement, vous avez qu'à investir dans une barque. Avancez, putain de merde. Attends, il y avait un coffre là. Le capitaine quitte la barre. Grotte des gémissements, s'il te plaît. Putain. Putain de nom, quoi. Peut pas être grotte de la joie et la bonne humeur. Je sais pas, grotte des hamburgers et des frites. Là, ça me donnerait plus envie d'y aller, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis encore super étonné qu'on ait rien rencontré dans des grottes comme ça. Oh. Ça va, arrête de me faire du bruit comme ça. C'est quoi ça? Il y a encore un coffre à aller fouiller. On en récupère plein.
Matériau rare et précieux, très convoité par Athènes en provenant de l'île de Chéos. Intéressant. Bon, je pense qu'on a tout récupéré. On arrive. J'arrive. Vu que c'est moi qui fais tout. Ah là 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 là. Branle rien. Bon ben voilà. C'était cool. C'était cool. Maintenant. Prochaine fois. On a bien fait de venir. Prochaine fois. Alors on pourrait se balader sur les petites îles de nouveau, mais ouais, je voudrais bien qu'on finisse quand même Athènes. C'est cool. Athènes. Ça à faire. Tiens, on fera ça peut-être. Quand on passera à côté. Parce que nous, on est arrivé par là en fait d'Athènes. Caverne submergée. Tiens, je l'ai pas faite. Intéressant. Lieu non découvert. Ouais, en plein milieu comme ça de... Non, fou là. Oh, ça c'est pas des bons trucs quoi. Ouais, on va retourner à Athènes. Là, en Attique. Et on va finir tout ce qu'il y a à faire. Peut-être qu'on va débarrouler dans la vallée du roi là. En Mégaris. Pour s'occuper de cette Sotera, pardon. Et il y a Brison qui est là. Brison l'a découvert aussi. Donc ça peut être pas mal. Voilà. Ce sera notre aventure la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Les DAX sont sympas. Encore une fois, le bile poison, c'est pas vraiment le truc qui fait le plus de dégâts. Mais je pense que ça aide niveau stats. Genre ça baisse leur défense, ça baisse leur attaque aussi apparemment, ça les affaiblit quoi. Je pense que c'est bien. Mais voilà, je préfère quand même le feu, plus de dégâts. C'est plus visible en fait, ça aide plus. Ouais. C'est limite à la... Limite les dégâts de poison en fait ça sert pas à grand chose. Ils sont tellement faibles. Genre ouais, 100%, enfin plus 100% ou 200% de 100 de dégâts quoi. Faire pas grand chose quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais même pas si c'est bien de d'avoir de l'équipement en fait qui augmente les dégâts de poison. Genre 12% de dégâts de poison, tout comme ça quoi. Ouais, je sais même pas si c'est vraiment utile. Mais bon. Du coup, on a combien sur dégâts de poison maintenant? Ah, on est toujours à 48% en fait. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao.